Hey, donc salut tout le monde, c'est Ilya Question 4 pour le 19e épisode de Pokémon version éclaport. J'espère que cet épisode va vous plaire. Moi je sens qu'il va pas me plaire du tout. Pourquoi? Parce que je retourne cet épisode actuellement. Je l'ai déjà tourné une fois et je suis en train de la retourner. Pourquoi? Parce que ça a été mal enregistré et ça me casse royalement les couilles. Non, mais quand je dis royal, c'est vraiment royal, hein. C'est divinement les couilles, hein, carrément. Du coup, bah, il n'y a aucune surprise pour moi, malheureusement. Peut-être pour vous, mais pas pour moi. Et je viens de me remarquer que mon casque n'est pas symétrique. Ouais, bah, ah, ça c'est parce que c'est un côté cassé, du coup, je l'ai recollé avec du scotch noir. Ça s'appelle être un professionnel de réparation. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait lors du dernier épisode? Eh ben, on a commencé la planque enquête. Et tout le tralala. Et juste avant l'épisode dernier, j'ai entraîné mes Pokémon, dont Hypona qui est au niveau 32. J'ai pas entraîné plus parce que bah, c'est long à entraîner un Pokémon qui de base est très très faible. C'est très long, mais vivement qu'il évolue, hein, moi je dis. Ce qui fait que c'est normal si vous avez pas eu d'épisode aujourd'hui à 15h. J'espère que vous l'aurez au moins pour 20h. Non, je me suis trompé d'accès. Bon, je me perds très vite dans les labyrinthes comme ça. J'espère que ça s'enregistre correctement cette fois-ci. J'aurais trop la flemme de le retourner une troisième fois. Ouais. Ici, il y a un objet qui était le multi-ex qu'on va donner à Epona. Donner Epona. Hop. Ici, il y avait un mot de, il manquait un mot de passe du coup. On doit aller là. Non, c'est pas lui. Je crois que c'est lui. Non, c'était pas lui, c'était pas lui. C'est pas grave. Je vais t'ouvrir le crâne avec mon au nom de la Team Rocket. Très très violent quand même. Alors oui, j'ai changé le point de vue de la caméra. Pourquoi? Parce que bon, comme ça, pour essayer juste un petit truc. Et je me suis même fait une nouvelle coiffure, donc y a plus du tout la petite mèche là. Enfin, je me suis pas coupé les cheveux, hein. Je me suis juste fait une nouvelle coiffure. Mais au pire, Osef. Allez, s'il te plaît, rate pas ton attaque. Nice. Nice, on l'a empoisonné. On va lui faire charge du coup, canicule, c'est pas stabé. Il me brûle quand même. Hein. Sauf du poison, moi de la brûlure. Il va me tuer. Damoclès, il se blesse quand même, un minimum. A mon avis, il y aura Sabé qui va activer. Ouais. On va envoyer Epona. Mais ouais, j'ai torche. Qu'est-ce que tu vas me faire? Il n'y a qu'un seul Pokémon, ok. Hop. Du coup, on va aller par là. T'es au courant pour le système des mots de passe en trois parties? Oui. J'essaie de me bien me centrer. On va couper ça au montage. Oula, j'ai fait le con. C'est pas grave, on l'a paralysé. Nice. Excusez-moi si la caméra bouge. Hein. Il suffit d'un tout petit choc comme ça là. Un tout petit choc avec mon genou sur une petite barre et ça fait tout tomber. Ce qui est assez chiant au final.
excusez-moi, j'ai fait une petite ellipse. Voilà. Pour arriver à ses fins. Ok, c'est ça le mot de passe. Mais on va les soigner au Pokémon avant. J'ai fait les petites ellipses parce que en fait, mes amplis ont un petit bug en fait. Enfin, un petit bug. C'est pas dans le PC qu'il y a un bug, c'est carrément l'ampli en lui-même. C'est en fait, je crois qu'il y a un truc qui est mal branché ou un truc comme ça. Qui fait que, à certains moments, quand j'ai le malheur de le déplacer, il y a quelques channels de son qui se désactivent. Merde. Enfin, quelques fréquences qui se désactivent. Ce qui fait que ça fait un son incomplet. Et un son incomplet, c'est pas toujours agréable à entendre parfois. Enfin, pas toujours agréable. C'est pas désagréable, mais quand on s'habitue à une certaine musique et qu'on écoute celle qui est pas complète, c'est chiant. C'est très chiant. C'est un détail qui me perturbe. Et encore pire, c'est quand ça passe en mono tout d'un coup et que je n'entends que d'un seul oreille. Ça, c'est pas mes oreilles, c'est ni mon casque, c'est bien l'ampli. Hein. J'ai déjà testé plein de fois. Ça m'est jamais arrivé sur mon téléphone ni sur ma tablette, c'est bien les amplis. Hein. Et ça, c'est quelque chose d'assez saoulant. RT, si toi aussi ça t'arrive tout le temps. Attendez, il y a un objet là. Oh, je suis saoulant. La téléporteur, j'ai du mal. Hein. Non, c'est pas grave. Non, c'était pas là. Ce n'était pas là. Même si le racer qu'on a vu là-bas, on l'a pas encore fait. Ce n'était pas là. Où est-ce qu'il est? On se perd très vite dans cette planque. Hein. Ça m'énerve. C'est là, voilà. C'est ici. On y va. Il y a un objet. Mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'ils font avec tous ces Pokémon en cage? Quoi qu'il en soit, je touche au but. On a vu un objet là, on va le récupérer. Mais si je crois que c'est... Ouais, voilà, c'est l'antiscope, ça sert pas grand chose pour moi. Enfin, si, augmenter le taux de critique. Mais sans plus. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en premier? Qu'est-ce qu'il envoie déjà? Je sais plus, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fous ici, toi? C'est une zone interdite. Réponds plutôt à mes questions d'abord. Que font tous ces Pokémon en cage? Tu dois être ce gamin grande gueule qui a mis le bazar à la volière. On m'a dit de me défier de toi, quelle blague. Cet ennemi n'était un faible. Ne pense pas une seconde que je vais finir comme lui. L'autre aussi pensait être imbattable. De toute façon, je finirai bien par te faire dire ce que je veux savoir. Bon, tu commences à me saouler. T'as bien mérité d'atoler. C'était bien un Démolos, j'avais un doute, mais au pire, Joseph, on lui fait un gaz toxique, espérons qu'on va au moins l'empoisonner. Ah, dommage. Il va recommencer à tous les coups. Non, même pas, il fait Bomberk. C'est pas très efficace. Hein. C'est pas stable en plus, ça. Ah, les deux sons de deux oreilles. Ça va. Nice, on l'a empoisonné. Ok. Ah, putain, c'est reparti. Je parle du son, hein. Hop. Ouais, bon, tant pis. Tant pis. On va envoyer Call Singe. Whistipore. N'empêche, elle va super bien Whistipore quand même, comme surnom. On va lui faire point karaté. Ok. Ectoplasma. On va envoyer Géranium. Ça me fait balombre, c'est stabé, ça me fera très très mal. Je crois que ça me met life de base.
Même pas, c'est un... Bon, en même temps, c'est un coup critique. Il me baisse ma défense spéciale, donc du coup, le prochain coup risquera de me faire très mal. Vraiment, je ne survivrai pas. Je lui ai fait plutôt mal pour un pas très efficace. Il me refait balle ombre, je meurs. Tant pis. Non, lui il avait pas le temps, Epona. Il a pas le temps, il est pas assez rapide. Et que t'as pas se mettre un Pokémon assez rapide, donc faut prendre ça en compte. Ok, bon Burk. Il va peut-être m'empoisonner. La petite baie. Ah, je déteste que ça me fait ça. Pour pas grand chose. J'hésitais en plus. J'hésitais. Ah, ça m'énerve que ça me fait ça là. Aucun moyen. En plus, j'avais réussi à le gagner, je sais même plus comment. Je sais même plus comment je l'avais gagné celui-là. Son ballon, c'est une attaque limite prioritaire tellement que c'est rapide, alors faut pas s'attendre à ce qu'il attaque après moi. Ça va pas me one-shoter, ça c'est sûr. Ou alors il a vraiment une attaque spéciale de malade. Non, c'est bon, ça m'affecte pas. De toute façon, j'ai que du type combat avec lui, hein. Ça c'est dommage. Faut que je voie si j'ai du psy. Enfin, normalement j'ai psycho, il me semble, mais faut que je voie si l'un de mes Pokémon peut la prendre. Ça serait super. Mais ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait beaucoup. Ouais, psycho. Psycho, aucun. Ton brush. On va enlever balayage parce que, à part Ronflex personnellement et Groudon, j'ai du mal à visualiser quel Pokémon est lourd. Allez, c'est reparti. Cette fois, on essaye de gérer. Pas fait celui-là. Dès que je me serai occupé de toi, j'irai voir l'admin pour recevoir ma promotion. D'accord. Nosferalto. Ouais, du coup, je vais switcher. Ouais, il y a Whistipor. Pas Whistipor, Saucisson. Hop, Arbok. Ok. On va le re-soigner, hein, parce qu'on a énormément besoin de lui. En plus, Saucisson, c'est un petit peu le BG de l'équipe. Donc sans lui, on peut rien faire. Sans lui, on peut strictement rien faire. Yeah.
C'est que des allers-retours cet épisode. Limite, il y a que ça dans cette série en fait. Hein. Des allers-retours parce que chaque fois faut soigner nos Pokémon. Faut jamais rigoler avec ce genre de choses. Hein. C'est toujours toujours assez hard. Hein. Enfin, c'est ce qui me plaît un petit peu. Hein. Hyper potion. Hyper, pardon. Ça nous mène où ça? Oh putain. Si j'aurais su. Un mot de passe? Quel mot de passe? Papinox. Smokeuse. Qui est Cornèbre. On va rester sur ça. En fait, un type psy, un type électrique, n'importe quel type pourrait nous être utile. Hein. Mais étant donné qu'on n'est pas très varié là-dedans, c'est un petit peu chaud. D'accord, il m'a fait mal cet enfoiré. Et Pona, niveau 34. Ok. Voilà. J'avais la flemme d'y retourner. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, c'est vraiment parti. Et on va pas faire les cons cette fois. On va pas faire le con, pardon. On va envoyer Whistipo en premier. J'ai dû retourner cet épisode. Actuellement, je suis en train aussi de tourner une nouvelle vidéo qui est une chasse au chromatique. Donc, c'est-à-dire en gros que je chasse devant vous un chromatique. Je vous ne dirai pas lequel est ce chromatique. Vous le verrez quand il apparaîtra. Parce que moi, j'ai défoncé un serpent avec le micro. J'espère que de toute façon, ça sature un petit peu quand ça fait ce genre de bruit alors. Ok, faut gérer. Nice. Ectoplasma. Il loupe son attaque. Tonnerre, ce n'est pas très efficace, mais il peut me paralyser. Ok. Encore une fois son hypnose. Ça va, hein. Ça va, ça me rassure. Là, on va activer sa Bécitrus, là. Ouais. Ok. Ça fait déjà une bonne chose de faite. Balle ombre. Il va me faire mal. Normalement, il me met de life, hein, si c'est pas un coup critique. Voilà, il me met de life. Il descend ma défense spéciale. Nice. Voici un bon petit trancherbe. Ouh. Ok. Oh nice le coup critique, ça c'est bien ça. Il me termine, ok. C'est pas grave parce que Géranium nous aura été très utile, très très utile. Parce que là on l'a midlife, il a utilisé sa première hyper potion et sa Bécitrus. Résultat, un coup d'aéropique et il est mort. Et je monte au niveau 41 en passage.
Scarabrut, on reste sur lui. Ok. Éboulement. C'est pas stabé, hein. Oui. On fait pas les cons, on utilise Aéropic et on le termine. Voilà. Oursaring. Là, on va essayer de le plus possible de le faire mal. Façade. Ouh. Ok. On va lui faire le plus mal possible. On va même essayer de l'empoisonner. Certes, j'ai sa faiblesse, mais faut pas oublier une chose. C'est que Oursaring est assez craint, on va dire. Il fait feinte, c'est pas stabé. Là, ils sont là empoisonnés. Non, l'enfoiré. Fait dans slam, ok. Deux tout à soin. C'est pas grave. Termine avec Whistipor. J'ai pris un gros risque parce que ça a que 80% de précision, hein, coup croix. Je l'ai pris accidentellement, le gros risque. Bordel. Tu crois que je vais te révéler quoi que ce soit? Je me tire. Timing parfait. Toi, tu restes ici pour l'instant. Mais t'es qui, toi? On va dire que je suis son coéquipier. Et est-ce que tu as à dire m'intéresse énormément aussi. Merci. Il allait se faire la malle avant que j'aie pu lui demander quoi que ce soit. Bon, maintenant que t'es bien installé, tu vas nous dire ce que tu sais sur tout ce trafic. Trafic? T'es pas à la page. Pourquoi dois-je vous raconter ça, moi? Allez, on est pressé. C'est bon, c'est bon. En fait, c'est bien plus gros que ce que vous pensez. Récemment, le boss nous a ordonné de rassembler toutes les espèces de Pokémon. La finalité de tout ça, c'était de pouvoir faire des expérimentations génétiques pour créer de toutes pièces un nouveau Pokémon unique et surpuissant. Je ne connais pas plus de détails. De toute façon, ici, il y a seulement des Pokémon courants. Les plus rares sont stockés au laboratoire principal. Les plus rares? Vous attendez à du lourd, hein? Donc, ce que je cherche est au laboratoire principal. Et où est-il, ce laboratoire? Quand je dis que je n'en sais pas plus, c'est que je n'en sais pas plus. Et mince, j'étais presque. Ne t'en fais pas, Dialka. Je l'amène pour l'interroger. Et s'il y a du nouveau, je te préviens. Ok, merci. Hein? Vous ne me faites pas partir? Vous ne me laissez pas partir? J'y vais. On se revoit plus tard, Dialka. Bon, bah à ce niveau-là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On a pu faire cette petite planque. On va pouvoir faire l'arène. Ce qu'on fera au prochain épisode. Hein. Et donc, du coup, entre deux, on entraînera. Enfin, j'entraînerai mes Pokémon tous niveau 40. Pourquoi? Parce que l'arène promet. Hein. Surtout que. Quoi qu'en fait, y a rien qui montre que c'est un type, que c'est une arène de type vol. Hein. Quelque chose me... Déjà le type 6 c'est bon, on l'a fait. Le type poisson c'est bon, on l'a fait. Et le type plante c'est bon. Là, faudra peut-être s'attendre à du type acier. Si c'est du type acier, je suis content parce qu'on a Epona. On a Whistipor. Bien. Et c'est pas ce que je voulais voir. Et c'est tout. Et lui s'il évolue. Ah d'ailleurs le centre commercial. Le centre commercial. On va aller au centre commercial. Où qu'il est? Il est là.
Attends. On va faire étage par étage. Alors. Tunnel, c'est pour un indestructible. Casse brique, pack au souffle, ok. On va prendre tunnel. Ça c'est les CT, ok. Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu as? Point de feu, point glace, point éclair, et c'est tout. Ok. Mur lumière, prune protect, retour, protection. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu proposes? Ouais, d'accord. Donc ça c'est les basiques. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Limite, il y a ça, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est Super Nintendo, d'accord. D'accord, oui, je connais la Super Nintendo, c'est mon offense. Utilisez les capacités que je vous ai apprises. Hein? D'accord. Cours de jeu vidéo. Ok. Toi, qu'est-ce que tu vends? Pierre lune. Oh, nice! Donc, nous, on a besoin de la pierre lune. Bon, bah, les amis. Petite évolution. Enfin les amis. Et c'est un Nido King. Yeah. Ok, boîte à B, on va lui apprendre Tunnel. Oh, il y avait aussi Whisty Park qui était apte. Et on va lui oublier. Vent argenté. Parce que vent argenté, c'est un petit peu de la merde au final. Et puis, c'est pas même pas stabé. Donc, ça vaut la peine. Bomberk. Oui, quand même. À la place de Darwin, hein. On fait du renouveau sur Nidoking. Hein. Du coup, ouais, du coup, toujours pas. Ok. Et toi, tu vois quoi, toi? D'accord. Bah tiens, j'ai acheté quelques Pokéballs. Quelques balls. Plein de styles de balls. Il y en a plein. Je vais en acheter 5 de chaque après. Non, ça c'est quand j'ai déjà le Pokémon. Ça c'est quand les Pokémon est faible. Ça c'est quand le Pokémon est de type insecte ou eau. Non, c'est seulement pour le sous-marin, autant pour moi. Et celui-là c'est pour insecte ou eau. Je me suis trompé de Pokéballs. Et ça. Bon, j'en achète 3, sans plus. J'en achète 2. Et le reste, ce sera en petite baie. Allez. Est-ce qu'on a des baies citrus cette fois-ci, ça serait bien. Où il est là. Est-ce qu'on a les baies citrus? Est-ce qu'on a accès aux baies citrus maintenant depuis le temps? S'il te plaît. Toujours pas. Fais chier. Bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai 0 Pokédollars, je me suis ruiné en une journée. Bon, bah écoutez les gens, c'est la fin de cet épisode, donc j'espère qu'il vous aura plu. Si vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez commenter pour écrire sur ce coulé, vous pouvez vous abonner pour suivre toutes mes aventures, suivre mon Twitter, liker ma page Facebook, et suivre toutes mes aventures sur ma chaîne YouTube, STL64. Donc, salut tout le monde!